Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien, et une fois n'est pas coutume, on va parler de la série 151. C'est une série qui vous captive, et c'est vrai que c'est une série assez intéressante et plutôt atypique. Même si les items, tu peux les trouver encore de façon assez raisonnable, moins en boutique évidemment, mais sur internet c'est plutôt simple de trouver du 151 et à prix, comme disent souvent certains, à prix boutique, tout simplement. Les cartes restent relativement chères sur cette série-là et ça fait figure un petit peu d'exception. Il y a une déconnexion entre le prix des items que tu peux trouver. Grosso modo, un coffret à la Kazam se trouve aux alentours d'une trentaine d'euros pour 4 boosters, voire même si tu cherches bien 25 euros. Donc pour le coup, le prix du booster et le prix de l'ouverture restent assez standard de ce qu'on a l'habitude de voir. Mais la grande différence, c'est qu'il y a énormément de cartes qui valent plus de 30 euros. C'est une particularité de cette série. Mais on va essayer de voir s'il y a des cartes bon marché en version AR. Alors tu verras que la réponse, elle est évidemment non, pas sur cette série. Et pas encore en ce moment. Alors tu me diras, ça y est, merci, au revoir, on peut couper la vidéo. Mais non, on va quand même faire une petite sélection des cartes AR les moins populaires. Alors moi, je fixe le prix de la carte par rapport à sa popularité, tout simplement. Parce que je ne pense pas qu'il y a des cartes AR qui soient moins printées ou plus printées que d'autres. Mais tout simplement, c'est surtout entre l'offre et la demande qui fait que il y a des cartes qui partent moins vite parce qu'il y a tout simplement moins de demandes. Niveau offre, il y a toujours pas mal d'offres pour toutes ces cartes-là. J'en ai trouvé une quand même que tu peux trouver pour pas très très cher, mais je triche un peu, c'est tout simplement la AR Promo, la Ronflex. C'est une carte que tu peux trouver entre 2 et 3 euros. Oui, je sais, c'est pas vraiment une AR 251 que tu peux trouver dans les boosters, mais je trouve qu'elle fait le job, elle est magnifique. La scénographie est top, il y a tout ce qu'il faut. C'est une carte que si elle avait été mise dans la série, vaudrait pas moins de 20, 30 ou 40 euros. Sans trop de difficultés. Mais là, étant donné que tu peux l'avoir facilement et qu'il y a eu énormément d'ouvertures de TB, par conséquent, cette carte-là est bradée. Je peux même la trouver pour 2 euros. Je trouve ça vraiment hallucinant de voir des cartes promotionnelles bradées à ce point-là. Autant les garder, hein, tout simplement. On se reconnecte cette fois-ci sur les cartes, les bon marché, on va dire, de la série. Bon marché ne veut pas dire cher, pas cher, mais plutôt bon marché comparativement aux autres cartes. Et comme je t'ai dit, ça fait figure un peu d'exception. Il y a énormément d'AR entre 30 et 40 euros. C'est vraiment propre à la série 151. Alors, est-ce que ça va durer? J'ai envie de te dire, c'est robuste. En ce moment, c'est robuste. On voit la pression qui est assez baissière. Même EV2, comme je t'en ai parlé avec le Magikarp, c'est quand même cassé la figure. Il y avait eu des offres à 60 euros, ce qui induit quelque chose quand même, qui induit un message. Les gens, voyant que le Magikarp a fortement décoté, ils seront moins pressés à l'acheter. Mais ce qui me surprend toujours le plus, c'est que malgré le fait qu'elle ait beaucoup baissé comme ça, on continue à baisser les prix pour essayer de la vendre. Donc la pression, elle est vraiment à la baisse et très fortement. Le Tyrannosif en est victime aussi. À une trentaine d'euros, je trouve ça assez fou. Alors, on a tout simplement un sac de nœuds. Voilà, sac de nœuds qui est aux alentours d'une dizaine d'euros. Et on va dire que c'est la carte la moins chère en version AR de la série. Bon, j'ai pas envie de te dire qu'à chaque fois la carte est magnifique. Elles sont toutes magnifique. Il y en a une qui me surprend beaucoup, d'ailleurs il y a le Pokémon qui est dessus, c'est Monsieur Mime, parce que on sait que les cartes Monsieur Mime, avec le temps, ont tendance à être plus recherchées que d'autres Pokémon, que Sac de Nœuds par exemple. Encore une fois, c'est bien mis, hein, c'est bien, la scénographie elle est cool, c'est une belle carte, il n'y a pas de souci là-dessus, elles sont toutes belles, mais bon, à un certain moment, c'est comme ça, c'est l'offre et la demande qui fait le travail, c'est plutôt la demande plus que l'offre. Donc celle-ci, tu peux la trouver pour 10 euros. Alors, mon petit doigt me dit que si t'es patient, elle va diminuer encore un petit peu. Après, j'ai envie de dire, on est sur les Pokémon de base, les 151 premiers. Alors, évidemment, il y a une plus grosse popularité. Donc, je la vois mal descendre vraiment en dessous. Si tu compares à d'autres séries EV1, EV2 et EV3, j'ai envie d'imaginer que c'est une carte qui vaudrait au bas mot, vraiment au plus bas du bas, 6-7 euros. Mais je serais pas. Je ne suis pas convaincu qu'elle descend en dessous. Les cartes qui sont en dessous de ces tarifs-là, tu en as des AR, mais on est sur du en Pibidou, par exemple.
Voilà, des Pokémon peut-être moins populaires, ou alors tout simplement des Pokémon aussi dont la scénographie est peut-être un petit peu moins réussie. Sur EV3, quand même, les scénographies sont un petit peu moins réussies. Mais après, EV3, c'est un petit peu particulier puisqu'il y a peu d'AR, peu de SAR. Donc peut-être que ça explique aussi ça. On continue avec, eh bien, comme je t'ai dit, la carte Monsieur Mime. Alors je te mettrai l'illustration sur le côté. Monsieur Mime, il est ici. Bah, comme je te dis, hein, moi, ça fait vraiment. Ça me surprend un peu. On est entre 10-12 euros pour cette carte-là. Monsieur Mime, c'est quand même un Pokémon historique et populaire. Voilà. Donc, forcément, j'aurais tendance à penser que cette carte-là, quand elle est sortie, quand la série est sortie, je l'aurais mis plutôt dans le haut du panier. Dans les cartes qui seraient plus populaires que ça. Bah, je me suis planté sur ce Pokémon, mais je reste assez convaincu que dans le temps. Elle va s'apprécier, c'est pour ça la voir descendre. Voilà, en dessous des 10 euros, ça me semble compliqué, mais peut-être 8-10 euros. Mais voilà, je suis pas très très sûr pour cette carte-là. Parce que quand même, on est sur Monsieur Mime. Ammonita. Ammonita avec les. Je crois qu'il y a des Kabutops derrière. Il y a Ammonistar au fond. Très jolie carte. Avec des tons qui sont bien réussis, et on la trouve aussi une 10-12 euros, quelque chose comme ça. Donc là aussi, c'est relativement abordable comparativement à d'autres AR qui sont vraiment très 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 chers, mais on est plus sur les starters ou pas d'ailleurs. On verra peut-être que je ferai un classement des 5 ou 10 AR les plus chers du moment. Certaines sont stables, mais en règle générale, la série, comme je vous ai dit, est plutôt très très robuste, hein. Vraiment très robuste, mais. Elle reste très très jeune et on manque de recul évidemment. On en saura plus en 2024 quand les semaines et les mois passeront. Ça c'est une évidence. C'est pour ça qu'en ce moment, même si tu penses que tu vas louper le train sur 151, il faut être assez prudent. Tu vois que les SAR commencent à souffrir beaucoup. Hein. Tu as des Dracaufeu SAR qui partent à 120 euros. Tu as le Elector, comme je t'en avais parlé, qui part à moins de 70 euros. Donc là, tu commences à voir que certaines SAR sont en souffrance comparativement à ce qu'elles ont pu être au début de la série, voire même à des prix très très hauts. Et donc cette tendance va certainement entraîner un petit peu les AR, mais même si elles sont un petit peu déconnectées pour l'instant de cette situation-là. On continue avec Chenipan. Chenipan est aux alentours d'une quinzaine d'euros. Voilà, alors on va rester sur des budgets de 15 euros. Chenipan est aux alentours de quinzaine d'euros. Moi je t'avoue que j'aimerais bien les avoir toutes ces cartes-là. Pour compléter tout simplement mon classeur avec les SAR et les AR, hein, et les GG et les TG. Voilà, je fais vraiment un classeur où il y a absolument toutes ces variantes d'Ultra. Je trouve qu'elles vont très très bien ensemble. Et dans un classeur, bah, c'est plutôt sympa. Je peux te le montrer, hein, si tu l'as pas déjà vu. Voilà, dans un classeur, je trouve que c'est plutôt sympa de mettre toutes ces illustrations-là ensemble. Alors évidemment, tu vois le Zeraora derrière, mais en fait, c'est tout simplement les TG texturés, les alternatives TG. Et on continue avec Psycho-Kwak, que tu peux trouver aussi autour d'une quinzaine d'euros. Bon, bah, je trouve que là aussi, Psycho-Kwak, si tu veux, c'est un Pokémon que j'aurais plutôt vu en haut du panier des AR, puisqu'il est, je trouve, plutôt populaire. Et en plus, on l'a pas souvent dans des formats de cartes comme ça, un peu ultra rares. Psycho-Kwak, on le retrouve souvent dans les cartes plutôt communes, peu communes. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir Psycho-Kwak dans une carte ultra rare, même si c'est une carte plutôt basique à notre époque maintenant. Mais ça reste cool, on est sur 15 euros. On a aussi à 15 euros le Machoppeur, que je trouve vraiment fun. C'est une carte qui est très ludique, il est en train de faire le déménagement. On a un petit Miaouss sur le côté, là aussi, très belle carte. Mais là, c'est, je dirais que ça ne me surprend pas. Pour la popularité du Pokémon, la fixer aux alentours d'une quinzaine d'euros, c'est pas la moins chère, c'est pas la plus chère, c'est pas surprenant de voir cette carte-là à ce prix-là. Et enfin, on termina avec Nidoking, qui est dans la forêt, et qui est ici. Elle est aux alentours d'une quinzaine d'euros. Alors, j'ai l'impression quand même que quand il y a moins de Pokémon dessus, alors pas toujours, hein, parce que les Salamèches, les Carapuces, etc. Mais c'est vrai que les gens apprécient bien aussi la scénographie avec d'autres Pokémon. Et ça, je suis assez d'accord, surtout sur le long terme. Je pense que les cartes avec d'autres Pokémon s'en sortent toujours un petit peu mieux. Alors déjà, parce que peut-être que certains collectionnent des Pokémon, et du coup, comme moi, bah, quand tu collectionnes Rukul, par exemple, je pense que c'est un petit Rukul, bah, tu vas l'intégrer dans ta collection Rukul, parce qu'il est quand même là, le petit Rukul. En tous les cas, moi, c'est ce que je fais. Et puis même, en règle générale, je trouve que la carte est plus fun et plus visuellement plus sympa que lorsque tu as un Pokémon tout seul. Moi, je pense que ces cartes-là, sur le long terme, se comportent toujours un petit peu mieux. Et là, on est sur une quinzaine d'euros. Donc, tu t'aperçois que cette série-là, tu as quand même
je pense que 7 cartes AR qui se situent aux alentours de 10 à 15 euros. Pour l'instant, aucune, j'ai vu aucune descendre vraiment significativement en dessous des 10 euros. Comme je t'ai dit, ça fait un petit peu figure d'exception parce que dans toutes les blocs EV1, EV2, EV3 et certainement EV4, hein, j'en suis absolument sûr. D'ailleurs, je crois qu'il y en a déjà qui sont en dessous de 5 euros ou entre 5 et 6 euros, comme Gigancel ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est assez classique de voir d'habitude ces prix-là. Donc par conséquent, même si la série est hyper populaire, 151, je pense qu'il y aura quelques incursions sur ces cartes-là vers les moins de 10 euros, principalement, qui étaient sac de nœuds, voilà, qui étaient là, puisque ça a l'air d'être celle-là, on va dire, la moins populaire. Monsieur Mime, je suis super surpris de l'avoir à 10-12 euros, mais voilà, hein, Pokémon nous surprend tous les jours et c'est ça aussi qui est sympa à suivre dans Pokémon. Allez, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.